Hi, it's Suwena here, your one-of-a-kind vlogger. Today I have another special vlog for you. Remember last time when I was in Rwanda in a contemporary art gallery talking to Emmanuel, Innocent and Mukyo? Well, now I present to you Gael Faye, Mukyo's childhood friend, another fully fledged artist. Gael Faye launched his first solo album in 2013. It's here at the Cree Jazz Festival in Switzerland that I had the chance to have a quick chat with him and ask him what this album is all about. Maintenant j'ai 20 ans et quelques poussières et je repense à l'Afrique où nous étions encore hier. On a grandi là-bas, au bord du lac Tanganyika et moi je suis parti ici. C'est pas ma première fois en Suisse, c'est ma première fois à Lausanne, enfin à Cuilly. J'étais déjà venu il y a plusieurs années avec mon collectif de slam, Chant d'encre. Je suis revenu avec Milko Fishuga. Et voilà, donc on continue. Petit français qui flâne, lisez qui roi, qui chante Bob Dylan. Il est parti vivre à la dure, découvrir l'humain, épouser la nature, et de pays en pays, il pédale, de guerre en maladie, il pédale, s'est usé par la route d'un voyage de 5 ans qu'au bord de son doute, il rencontre un piment. Alors Pili Pili sur un croissant au beurre, c'était une manière de parler de cette double appartenance, de ce métissage dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'évolue. Et puis aussi c'est le titre d'une des chansons de l'album qui raconte la rencontre de mes parents. Donc ma mère dans le rôle du Pili Pili et mon père dans le rôle du croissant au beurre. Ma musique, elle apporte peut-être un point de vue différent parce que j'ai un parcours et une trajectoire que j'ai jamais vu dans le rap français ni le rap international. Je suis né au Burundi, d'une maman rwandaise, je suis arrivé en France à 13 ans. Le Rwanda, je le pleure chaque 7 avril. Ibuka, Ibuka. J'ai juste un parcours de vie qui fait que ça se ressent, ça se répercute dans ma musique. Et en ça, c'est un peu singulier. Je venais d'Afrique, mais sans connaître Kouchner et puis son sac de riz. J'ai débarqué un soir d'hiver ici avec mon sac de rimes. C'est important, je pense que quand on a une prise de parole publique, qui est quand même derrière un sens. Donc sinon je vois pas trop l'intérêt de parler en public. C'est-à-dire on n'est pas là pour enfler le monde de sa personne. On s'adresse à d'autres personnes pour une raison. Et donc oui, président, ça fait partie de mes préoccupations. Parce que voilà, c'est une histoire que j'ai vécue intimement et puis c'est aussi une histoire générale que d'autres vivent. Donc, voilà. Président, il tient les rênes du pays depuis 10 à 40 ans. Il est élu à 99%, l'ethnie dont il est issu est qualifié de pur sang. Son pays est soi-disant démocratique, les opposants, les critiques, c'est soit la mort, soit l'exil politique. Mais après, forcément, je révolutionne rien, je m'inscris quand même dans une tradition qui est celle du hip-hop. Vous appelez comment ? Mutesi Koko. Ah, ça c'est de chez moi ça. Ça c'est une belle maman. Je t'appelle, 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 je t'appel